Salut à tous les amis, c'est Manon17, comment allez-vous? Moi ça va nickel. Comment allez-vous dans ce jour direct? Rétro-vivez-vous plutôt Toto Wolf. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour... la carrière... d'Antonin, saison 2 sur F1 2011 aujourd'hui. Cinquième Grand Prix de cette saison 2011 de Formule 1. Donc on est toujours en tête. Je rappelle donc que dans le dernier épisode, on a gagné le Grand Prix. Mais tu n'as pas dit quel Grand Prix c'était. C'est le Grand Prix d'Espagne donc aujourd'hui. Voilà, donc comme que Jean-Louis Hamilton est repassé à Felipe Massa au niveau du championnat du monde lors de la dernière course. Au niveau du constructeur, on n'est pas si loin que ça. On a 10, on a 12 points de McLaren. Ruben, s'il te plaît, marque des points. Et Red Bull qui est déjà très loin. Hein, ça sent la mauvaise année pour Red Bull. Enfin bref, donc nous, on s'en va pour les qualifs du Grand Prix d'Espagne. C'est parti. On vous raconte un peu les essais? Bah oui. Bah facile. Voilà. Non, au niveau propreté des tours, ça a été un peu compliqué, les moments. Oui. En fin de 2 et au 3, ça, ouais, ça allait, mieux. Ça allait mieux. Un peu mieux. Mais une grosse marge d'avance encore sur toutes les autres voitures. Oui. L'objectif, on a tourné en 1.21. Allez, on va pas vous mentir, on va essayer de viser les 1.20 sur ces qualifs. Notre meilleur tour, je crois, c'est 1.21.0, un truc comme non, ça. Non, 1.21.4. Oui, ou une 21-4. Enfin bref, on était vraiment proche quand même du 1-20. On peut tourner en une 20 parce que t'as fait quelques erreurs. Ouais. Et les autres voitures ont tourné en une 24 au mieux. Wow, ça donc ça va descendre. Une 23. Une 23. Ouais, une 23. Une 23-5, ouais. Ouais. Donc, déjà, si on fait une 22, on est sûr de passer à tous les voyages. Oui. Alors les pneus n'ont pas l'air d'énormément se dégrader. On va finir 7ème ou mieux. L'objectif monte, hein. Ouais, bientôt ils vont me demander la pole, assurément. Alors, du coup, je vais chercher mon petit réglage. C'est plutôt pas mal. Oui. On va mettre donc. Pourquoi ça met 7 tours? Non, je t'en demande 5. Bon, on y va tout de suite. Ouais, mais c'est parti. C'est comment qu'il y a personne sur la piste, on assomme un peu tout le monde dès le départ. Ouais. On dit... Voilà. Or, désolé, hier j'ai essayé de faire un live sur sur Twitch, malheureusement, le logiciel du Game Capture n'a pas été du même avis. Et donc, je m'en excuse, on voulait faire un live Minecraft avec deux amis et puis Nibla. Et au final, on n'a pas pu vous faire ça. Donc, je m'excuse. Allez, c'est parti! Concentration maximale. Il a desserré l'accélération là. Parti. Mais pas trop tard là. Rentre dans l'intérieur. On a le droit à un ou deux petites attaques. Ouais. Alors là, la courbe rapide. Qui est assez fort. Premier pointage. S'il passe en dessous de 23, premier pointage, c'est déjà un gros chrono. On va voir. 23.045, c'est gros, hein. C'est gros d'entrée. Ouais. On va faire un tour dans cette première séance d'essai. Ouais, je pense que de qualif. Oui, de qualif. Ça c'est fort là aussi, avec un gros freinage devant vous. Bon, c'est bien passé ça. Ouais. Ouh là 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 là, ça fait mal. Alors là, juste un tout petit freinage. Ouais, pour bien attaquer l'intérieur, voilà. Oh là là, c'est le tour parfait pour l'instant, il va continuer comme ça. Alors attention, pas taper trop à l'intérieur. Non, c'est pas ce virage, c'est le virage d'après. Ah, pardon, mais c'est celui-là, il faut pas taper trop à l'intérieur pour bien utiliser les courbes. Oh, c'est plus chaotique là. Ouais, c'est la voiture qui est partie, je pense, ça c'est vu. Allez, les deux derniers virages là, celui-là, bien négocié tout de suite. Voilà. Voilà. Oh non! Ah. Il ne sera pas comptabilisé. Bon allez, on repart tout de suite. Bon, c'était un 1.22. Ouais. C'était bien. Moi, ouais, j'étais bien, oui. Allez, on va essayer tout de suite. Les aléas de la course, t'as été un peu gourmand, là. Ouais. Bon, c'est pas mal, ça. Allez, tiens bien le virage, là. Ouais. Et non, il l'a pas tenu. Ah, c'est très compliqué de tenir, je vous avoue. On va avoir le temps. Et pour... 23.856, ouais, il est loin encore. Ah non, mais c'est pas ton temps. Ouais, t'es en... C'est bizarre, je sais pas quel temps tu as fait. Ouais.
En moins de 2 peut passer ? C'est bizarre. Je sais pas. Pas. Allez, reste concentré. T'as, un peu moins... T'as été un peu trop agressif sur les livreurs. C'est un peu moins propre, mais je pense que ça va payer quand même là si. Pas trop à la fin. Ouais. Bon, oui, il est beau celui-là. Allez. Alors attention, la patron intérieure. On rentre un peu fort dedans là quand même. Allez, on n'avait pas eu ces problèmes de virage coupé lors des essais. Voilà, c'est pas mal ça. Ça s'est bien passé. Allez, allez, allez. Bon, une 21-8, ouais, c'est bon. Allez, tu peux rentrer. Fin de cette Q1, mesdames et messieurs. Et encore, t'aurais... le premier tour aurait suffi. Oui, hein, oui. T'avais pas vendu. Allez, je sais. Oh là là, 3 secondes. Ah, ça y est, c'est incendié 1023. Mais tu vois. Une 23-6 tout de suite, hein. Ouais. Surprise, surprise. Ah, il va bien falloir aller chercher les 21, hein, je pense. Hein. Ah, ouais, ouais. Une 23-3. Ouh. Non, une 23. Ah, oui, si, une 23-3. Une 23-2. Oula, mais que de surprise. Ça se rapproche. Ouais. Bon, il y a encore une petite marge. Ils vont peut-être gagner une seconde. Ah, il va falloir aller taper les 21 à tous les coups. Finalement, ouais. Bon, c'est plutôt sympa. Ça peut-être mettre un poil de suspense. Bon bah voilà, allez, on passe en Q2, mesdames et messieurs. Et bah voilà. Un circuit que tu maîtrises, mais pas ouais. Totalement, je trouve. Il y a quelques points où tu peux encore faire mieux. Oui. En fait, il y a beaucoup de virages droite-gauche. À gauche-droite plutôt. Qui... 90%, c'est bon au niveau des pneus. Là, c'est bon, on a le bon réglage, chaque tour. Bon, on est bon! Allez, on est parti tout de suite. Objectif encore. Une 21. Frapper un grand coup. Ouais. Parce que tu vas arriver à mettre tout à bout pour faire une 20. Notre objectif secret. Ouais. Connu seulement par moi et par mes ingénieurs. Ah oui, tu as d'ailleurs Robin, c'est eu des pièces qui n'ont pas été installées sur ma voiture. Ouais, ouais. Je vous ai même pas montré qui était. Qui est pilote numéro 1, Robbins. D'accord, ok, donc le mec il a mis combien de points depuis le début de la saison? Quelle triste fin de carrière n'empêche pour Robbins Barrichello. Il va perdre son. C'est lui qui a encore du nombre de vampires. Et oui, il va bientôt le perdre, hein, d'ici. Voilà, Kimi devrait le battre. Ouais. Le champion du monde là qui est encore. C'est honteux ça de la part d'un champion du monde. Ça va être un tour assez. Oh, 2339, non, c'est pas mal. Allez, allez. T'as plus d'aspiration, je pense qu'il a fait. Ouais. T'as eu un mauvais temps. Allez. Intérieur. Alors, ici, pas trop donner un trop gros coup de volant parce que sinon la voiture part avec le DRS. Mmh. Hein. On a expérimenté ça en essai. C'est pas mal ce tour, allez. Un circuit relativement simple où la voiture peut partir quand même. Ouais, ah, 54 c'est pas terrible, je crois que j'étais en 53 sur mes meilleures séances d'essai. C'est moins agressif sur le deuxième secteur. Ouais, voilà. Et puis, les virages sont coupés, voilà. Oula! On peut partir en. Ouais, là, on peut partir en détecteur. Hein. Oula, là, c'est pas mal ça. Allez! Une 22-008. Ah, on est encore deuxième? Ouais. Ça devrait suffire, mais. Mais quand même, l'objectif, c'est de descendre en 1-21 sur toutes les séances. Hein. Ça nous mettrait. Sur les deux premières séances, ça nous mettrait en confiance pour. Pourquoi pas aller chercher le 1-20? Est plutôt pas si mal tenu là. Ouais. Est-ce que tu vas passer sous les 22? Eh oui, oula, 22-782. Oui, aïe. C'est son deuxième secteur, je pense qu'il faut que tu ailles gagner un peu de temps. Ouh, t'avais jamais fait 22-7, hein, je crois, sur première. Allez. Et puis bien les courbes là. Ouh, c'est pas mal, il y a de la vitesse. Viens là. Oula, pas trop, hein. Ouais. Donc, tu dois pas perdre un peu de temps, là, oui. Pas beaucoup.
53,5 euros, c'est bien. Allez. On a perdu. Oula, t'es large là. Attention là. Ah, c'est pas mal ça. Allez. Il nous reste 3 virages. Oula, coupe pas trop. Là, attention. Hein. Faut que ta voiture parte non plus. Ouh, bien vu. Allez, un bon dernier virage. Allez, allez, allez. Une 21-8. Encore une fois. Allez, c'est bon. J'ai perdu beaucoup dans les deux derniers secteurs. Ouais, ouais. Encore, t'es pas mal, c'est sur le dernier secteur, là, tout moins bien. Ouais. Parce que 53,5 et 22,7. Une 23,8. Et regarde, les autres tournent en 30, hein, dans le deuxième ouais. secteur. Ils sont dans le même temps que toi, à peu près. Hein. J'en ai vu un en 37. À 38, tu vois. C'est sur deux je leur mets beaucoup dans le premier. Je leur mets quasiment une seconde. Et par contre, pourquoi on n'a pas leur temps dans le secteur 3? Je sais pas, il y a un bug sur les jeux de F1 et ça n'affiche jamais le temps dans le secteur 3. Bah, une seconde 5, à peu près, une seconde 3, ouais. Ouais. Allez Q3. Ah, bah les 1-20, on va pas y arriver. Hein. Mmh. Au final, ça aurait été. Oui, ça fera du tout. Pas spécialement très longue. Hein. Voilà, 7ème place, elle est quasiment, je dis bien quasiment assurée. Ils nous ont mis des nouveaux pneus, ça c'est bon. Nous, là, je mets 5 ou 4 bon, 5, 5. Je laisse 5, ouais, ok. C'est... Bon, et bah allez, c'est parti. Donc on n'aura pas de pluie tout le week-end. Il faudrait quand même qu'on m'explique comment ils établissent exactement leur règle des 110%. Comment tu peux savoir si la bagnole, si tu fais un tour à plus de 110%. J'ai jamais compris cette règle. Au niveau des tours qualifs. Il faudrait qu'on m'explique un jour. Donc, Julien Frérot, on vous posera la question. Wow, allez, il y a de la vitesse là tout de suite là, allez! Alors, vous voyez pas, mais il y a un petit tressautement de fin de bateau au moment où il passe la ligne. Ouais. Histoire de dire, ça y est, j'aurais dit mon corps, je suis à fond dans la voiture. Ah non, j'ai pas assez relâché là, et voilà. Eh, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. Ah, 2358, c'est pas si mal que ça. Ouais. T'es quand même, si tu fais un bon deuxième secteur, t'es sur une base 2021. Faut faire un gros deuxième secteur. Ah, on fait deux tours histoire d'avoir deux chances de faire les 1-20. Ah, c'est plus agressif là, allez! Ah, il y a des boudins, t'as pas intérêt à rouler dessus à mon avis. Ouh, c'est large! Ah, mais c'est pas grave. Peut-être une pote de vitesse, on va voir ce que ça donne. Oh là, non. 53,7, ouais, si, t'es dedans. T'as repris 2 dixièmes, hein. Ah. Ah, t'étais mieux sur le deuxième secteur, même si ça paraît fort, je pense que tu manques de vitesse globalement. Mm. Après, vaut mieux peut-être mieux assurer que de se faire. Pareil, là c'était plus fluide, je trouve le passage du pick-up. On a fait une 7, allez, une meilleure temps jusque-là. Aujourd'hui. Ouais. Un deuxième petit tour pour le fun. Bah oui. On sait là, de toute façon, on est quasiment en pôle. Hein. Allez, essaye de passer là. Oula, ça tient. Est-ce que ça a payé au niveau chrono? Oh oui, ça paye, 22,6. Oula, notre meilleur temps absolu. Mm. Allez, faut mettre tout bout à bout là. Si tu avais arrivé encore à gagner 2 centièmes, ça serait pas mal. 2 dixièmes, pardon. Ouh, le DRS. Oula, t'as perdu la vitesse là, à mon avis. Et du temps. J'espère qu'on a pas trop tapé dans les pneus non plus. Ah, oh, je m'en fais un troisième là, je vais être déçu, je vais voir. 53,8, oui. Allez, là. Là, ça va donner quoi? Oula, 32.
32 millième. Je vais m'en faire un autre là, c'est obligatoire. Allez, dernier, dernier. Parce qu'on est sûr d'être en pôle, hein. Les autres sont à 2 secondes. Petrov et 3, hein. À mon avis, ils ont pas tous encore fait leur temps. Est-ce que c'est passé fort ou pas? 22-7, oui. Pas meilleur temps absolu, mais on est dans les mêmes zones. Ah si. Non, c'était 22-6 tout à l'heure, ça fait 22-691, si je me souviens bien. Allez, c'est dans les mêmes zones, hein. Oui. Allez, c'est sur ce secteur 2 que ça joue, hein. Là, si on arrive à gratter du temps. Oh oui, c'est pas mal. Allez. Allez, un bon virage, hein. C'est là que ça joue. Oui. Oh, c'est propre. 53. Ouh, 53-1. Allez, allez, allez. Allez, un gros dernier secteur. Là. Ouh, oh là non. La voiture est partie. Non, non, c'est juste moi qui a fait le feignant. Qui a eu un moment de déconnexion. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est peut-être une faute de vitesse en 26. Niveau chrono, ça va se payer. Ah, c'est mieux passé, je trouve, quand même, là. Ouais. Alors, peut-être que t'avais moins de vitesse aussi, c'était peut-être plus simple. Allez, allez, allez. Ah, une 21-1. Ah, dommage. Ah, dommage. On n'aura pas les 8, là. Mais ça sera pour une prochaine saison. Déception, là, de grosse déception, les gars. Oh, t'as fait un beau dernier secteur, par contre, je pense. Ah, hein. Ouais. Même si c'est cette faute, t'as fait un bon dernier secteur. 27-9. 27-9. 30, 22, tu vois, 34. 30, ouais. 34. Est-ce qu'ils vont descendre? Non, ils sont pas descendus sous les 1.23. Bon, bah, c'est la pole position, les gars. Oula, 2 secondes. Donc, séance vidéo assez courte, hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de vidéo en dessous des... Une séance qualif en dessous des 25 minutes. Les tours sont courts aussi, hein. Ouais. Bon, c'est pas mal, dommage. Ouais, dommage. Deuxième près, t'aurais pu taper sous les 1.20, mais ça reste jouable, hein, je pense. Ouais, ça reste jouable, ouais. Ouais, il y a peut-être un petit réglage de la voiture un peu différent qui pourrait le permettre. Mais si, je pense que si j'avais pas fait cette erreur là au niveau du virage, j'en aurais vraiment pas été loin, je pense. Hein. J'aurais été peut-être. T'as gagné 6 dixièmes au total, t'étais dans le même temps départ. Ouais. Alors, pouvez-vous remplir vos objectifs cette année? Il va falloir attendre de voir comment les choses évoluent. À mon avis, nous pouvons atteindre tous nos objectifs. Tout s'est bien passé jusqu'à présent, mais ça risque d'être difficile. Il va falloir d'attendre. Voilà. Est-ce que les qualifications se sont bien déroulées selon vous? Ça me fait très plaisir. Demain est un autre jour. Espérons que ce sera pareil en course. Espérons que ce sera pareil en course. Est-ce que les réglages de voiture correspondent à votre style de pilotage? Par moment, j'ai eu un peu de mal à la contrôler. Je suis capable d'adapter mon pilotage s'il le faut. La voiture semble bien correspondre au style de... Oui, par moment, j'ai un peu de mal à la contrôler. Donc on rappelle qu'il devrait pas pleuvoir, je vous montre quand même. Hein. Voilà, ça c'est les temps. Passage nuageux. Oui. On va voir comment se comportent les pneus, c'est surtout la grosse interrogation sur ce jeu. Ouais. Bon, et bien voilà les amis, j'espère que ces petits débuts... Ouais, bien. Donc bon, et bien les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fera super plaisir. À vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, ça me fera également super plaisir et ça me donnerait envie de continuer mon aventure YouTube. Allez me suivre sur Twitch et sur Facebook. Sur Twitch, bah on va essayer, je veux dire, on va essayer de faire le fameux stream avec deux amis et Nibla sur Minecraft d'ici la semaine prochaine, je pense. Voilà. Et sinon. La course demain. Mais oui, la course demain. Et sur Facebook, c'est comme ça qu'on pourra discuter des vidéos dorénavant. Enfin bref, moi je vous dis à très bientôt. À demain déjà pour la course. Et à très bientôt pour une prochaine. Allez. Au revoir. Ciao.